Ça marche pas là. Je crois que c'est du respect. Hey, c'est le. tu Je ne comprends pas. Allez à l'affaire Pion est... pour Beethoven. All in my mais vous fumez Mais oui, c'est clair. <laughs> Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sous Kratos, votre bien-aimé toujours là pour vous servir. Et Aujourd'hui on va parler d'un jeu, euh, comment dire, eh bien qui a touché quand même pas mal de gens. Mmh, J'irai pas jusqu'à me dire qui m'a marqué, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'ai fait il y a quelques années et que j'ai bien aimé. Je ne vous en ai pas parlé à l'époque, et je me suis dit bon, allez je me relance une petite partie, hein, je l'ai repris à la bibliothèque. Et puis je vais en faire une petite vidéo. Eh bien je vais vous parler, vous l'avez vu dans le titre, de Céleste. Alors qu'est-ce que c'est Céleste Eh bien c'est un jeu vidéo de plateforme indépendant en 2D. Il est développé et édité par Extremely Okay Games, un studio semblerait-il canadien, dirigé par Maddy Thorson et Noël Berry. Euh, à la base c'est un prototype qui a été développé lors d'une Game Jam, et puis finalement ils se sont dit... Il y a quand même des bonnes idées par là. Je crois qu'on va en faire un jeu. Et ils ont bien fait. Finalement, le jeu est sorti en 2018 sur Switch One, PS4, PC. Et même la Stadia, dites-vous, deux ans après, et bien en 2020, a eu le droit à Céleste. Rip Stadia, tu étais une grande, grande, grande console. C'est un jeu qui a été bien reçu par la critique, mais aussi par les joueurs et joueuses. D'ailleurs, en 2018, il a quand même gagné le titre de meilleur jeu indé au Game Awards 2018 et il a été nommé pour le jeu de l'année ce qui n'est pas rien mine de rien pour un petit jeu comme ça entre guillemets euh, indépendant euh, bon après ça vaut ce que ça vaut hein. moi c'est Game Awards machin je m'en bats un petit peu les steaks ça symbolise pas grand chose pour moi mais je voulais euh, je tenais quand même à vous le préciser niveau scénario eh bien on incarne Madeleine qui va gravir le sommet du Mont Céleste qui donne son nom au jeu au cours eh bien, euh, de son ascension, on va apprendre qu'elle affronte une dépression, que c'est quelqu'un euh, qui a vraiment ses peurs profondes, qui souffre d'anxiété. Et euh, elle va non pas seulement d'ailleurs gravir euh, ce fameux mont, symbolique eh euh, d'une jeune femme qui part de tout en bas, quelque part émotionnellement parlant, mais elle va également devoir s'affronter. Elle-même, euh, vraiment le jeu est très très cohérent. Que ce soit au niveau eh bien euh, de l'ascension, au niveau des musiques, au niveau euh, du gameplay, de la narration, du level design, il euh, y a vraiment quelque chose de très 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 cohérent. Il propose d'ailleurs huit chapitres ainsi qu'un DLC que je n'ai jamais fait par contre, euh, nommé Far World, qui clôt l'aventure. Et d'ailleurs, il est totalement euh, gratuit. Euh, je vous le précise, ce qui est vraiment euh, très très bienvenu. Dans un monde où parfois les DLC c'est un petit peu de l'arnaque, j'en vais dire, eh bien euh, merci Maddy, Noël et toute leur équipe. Euh, pour le gameplay, bah, on est vraiment dans un jeu pur et dur de plateforme. C'est très exigeant. Madeline va d'ailleurs apprendre de nouvelles actions, euh, slash compétences, slash mécanismes. Petit à petit, au fil de l'aventure, on le compare d'ailleurs souvent à un super Meat Boy. Si le jeu est très connu, et eh bien c'est pas seulement pour son scénario touchant, pour son gameplay aux petits oignons, euh, pareil pour le level design d'ailleurs, et son pixel art assez aguicheur, mais surtout et aussi pour ses options d'accessibilité. Donc ne vous en faites pas, si vous ne vous sentez pas euh, de taille à le finir de manière disons Legit, j'aime pas taire, mais disons-le, il vous proposera des aides qui vont euh, de ralentir le temps à carrément passer des phases tout entières, passer des chapitres tout entiers. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un jeu qui a pensé aux joueurs et joueuses qui sont moins persévérants, qui sont peut-être... Moins talentueux, j'aime pas le terme non plus, mais voilà, euh, je l'utilise. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller au bout et profiter du scénario et de la narration du jeu. Après, bah, c'est clair, si vous êtes tout le temps en train de passer des chapitres, il ne va pas durer bien longtemps, vous vous en doutez. Donc, euh, je vous invite quand même à tester, tester, donner le meilleur de vous-même. Et si vraiment à un moment vous en pouvez plus, bah, effectivement, utilisez le mode accessibilité. D'ailleurs, euh, au contraire, hein, si vous êtes plutôt euh, ce que certains et certaines appelleraient des hardcore gamers, et que vous êtes aficionados du speedrun, bah, c'est un jeu parfait pour ça. Vraiment, que ça soit dans ses mécanismes, dans, dans le, le jeu lui-même, en fait. Et le jeu, d'ailleurs, intègre même un mode de comptage pour les speedrunners et speedrunneuses. Donc, euh, le jeu savait, le jeu savait. Alors, je ne sais pas si ça a été dès la sortie ou rajouté. Plus tard, pardon, là, en tout cas, bah, euh, quand j'y ai rejoué, euh, c'était proposé dans les options. En gros, moi, je vous le dis quand même, là, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas fini de manière légite. J'ai recouru par moments au mode assisté et je n'ai pas du tout honte de le dire. Ça m'a fait plaisir de suivre Madeline dans son aventure, même si je suis conscient que la difficulté va de pair, quelque part, avec la narration, puisque... Même si je ne l'ai pas vécu personnellement, je comprends que sortir d'une dépression est très 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 difficile, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses victoires, avec ses défaites. Et euh, bah, le gameplay arrive à se renouveler à chaque chapitre. Quand on sonne au rombage, que ce soit visuellement ou au niveau sonore, ça fait le taf, le level design est lui aussi très bon et se marie bien avec le gameplay et puis euh, même si on a de plus en plus ces dernières années et eh bien c'est agréable de jouer une jeune femme courageuse mais surtout une jeune femme réaliste quand je dis réaliste ce n'est pas la vision qu'elle a du monde mais c'est juste en fait c'est quelqu'un qui peut exister Madeline quelque part euh, c'est pas une grande héroïne façon Lara Croft mais vous ne rencontrerez jamais de Lara Croft dans la vraie vie ou alors une sur bon, des millions voire des milliards. Non, c'est juste une jeune femme qui tente de surmonter ses difficultés personnelles. On va d'ailleurs aussi croiser quelques autres personnages sympathiques, à commencer par la grand-mère qui nous prévient que l'ascension du mont Céleste est bien difficile, tout en se foutant de notre gueule. Il y aura bien évidemment Théo, mais je ne vous spoile pas. Et justement, pour un jeu de plateforme, la narration est vraiment bonne. On est loin des scénarios prétextes de la plupart des jeux du genre. Coucou les Mario, même si vous êtes probablement les meilleurs jeux de plateforme, en tout cas euh, les plus grands publics. Ici, la narration a une place aussi centrale que le gameplay lui-même. Bref, si vous aimez les jeux de plateforme, jouez-y. Surtout si vous le trouvez à bon prix. Le jeu a une durée de vie allant de 9h à 40h selon how long to beat. Ce qui est très correct. En ligne droite, en gros, hein, il vous prendra probablement moins de 10 heures. Après, faut voir à quel point vous galérez, à quel point vous utilisez eh bien, les, euh, le mode accessibilité. Et si vous voulez explorer tous les écrans, récupérer toutes les fraises, euh, elle sera bien plus longue et bien plus difficile. Oui, alors les fraises, euh, concrètement, c'est des trucs qui servent à rien, si ce n'est à vous la péter, à dire à vos potes, ah ah bon, toi t'as fini céleste en mode accessible <laughs> Tu es une merde Regarde, moi je l'ai fait de manière légite et en attrapant toutes les fraises. Tiens Voilà, en, en gros ça sert à ça, hein. c'est à montrer qu'il y a la plus grosse. Euh... Paradoxalement, vraiment, malgré sa difficulté, c'est un jeu qui vous veut du bien et dans lequel on se sent bien. Et même si vous mourrez souvent, ça c'est sûr, peu importe votre niveau, eh bien le jeu, tout comme dans un Cluster Truck, jeu que je vous recommande également, eh bien vous fait réapparaître si vite et sans temps de chargement que la mort est finalement très très peu frustrante. D'autant qu'on sent qu'on s'améliore. Même si bah il y a des phases, vous allez vraiment beaucoup mourir, hein, une dizaine de fois avant d'y arriver accrochez-vous, et encore une fois, si vraiment vous perdez patience et que vous avez peur que le pad vous tombe des mains, et eh bien n'hésitez pas à utiliser les options d'accessibilité, euh, non, vous n'êtes pas moins bon, ou en tout cas vous n'êtes pas un sous-joueur parce que vous les utilisez, euh, voilà, n'hésitez pas, je vous invite à le faire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu, sur Céleste. On en est bientôt à 10 minutes et bien de vidéo, ce qui est très 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 correct. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez connu à l'époque, s'il vous a plu, si je vous ai donné envie de le découvrir, si vous ne l'avez jamais fait. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et j'aimerais tant pouvoir vous aider si vous êtes en pleine dépression. En tout cas, sachez que je vous aime et que je vous envoie du love partout partout partout. Hmm...